bonjour, bonsoir, ça dépend de l'organe de cette vidéo ça. Donc si vous êtes un adorateur ou c'est une adoratrice, donc m'a dit que vous n'ayons meilleure adresse. D'abord, qui te me présenter, moi c'est adorateur Bertin d'Orvillemar. Si vous venez sur channel ça première fois, m'a invité pour abonner pour capable toujours au courant de toute dernière vidéo que nous partageons. Donc, ce channel, ça qui ça nous fait, nous là pour nous capables parler de adoration et de louange surtout. Donc, depuis quelques jours, nous gagnons une série de vidéos que nous avons partagées avec vous, côté que nous avons deux conseils avec meneur de culture pour nous capables structurer culte d'adoration, culte communautaire davantage. Je dis encore, nous gagnons deux conseils que nous avons partagés ensemble avec vous, ou même qui sont meneurs de culte. Donc, premier conseil là, si que vous êtes habitué à recevoir invitation pour aller mener service dans l'autre assemblée, donc nous conseillons pour que vous soyez capable toujours, autant de fois que ça dépend de vous, pour visiter l'espace côté que vous avez gagné pour aller mener service là. Donc, si vous invitez dans une assemblée, côté que vous ne pouvez pas assembler à du tout, donc il est extrêmement important pour que vous fassiez une première visite avant même que jour J par là, soit capable d'arriver. Ça, c'est extrêmement important. Ça a aidé pour faire une meilleure préparation pour jour que bon Dieu lui-même pourra utiliser pour bénir le peuple. Ça. Très certainement, le Saint-Esprit de Dieu est là pour capable aider à faire une préparation, je dirais, adéquate, mais il est extrêmement important aussi, ou même en tant que meneur de culte, pour capable développer des stratégies sous l'inspiration du Saint-Esprit pour permettre que vous capable mieux préparer et permettre que le public côté que vous pralia capable aussi dans le bain. Donc, deuxième conseil que nous voulons partager ensemble avec vous, que nous voulons baou dans 4 vidéos, ça, c'est très important en tant que meneur de culte, lorsqu'on mener un service pour arriver autant de fois que ça dépend de vous, pour arriver 30 minutes avant le service. Là. Donc, on dit autant de fois que ça dépend de vous, parce que certaines fois, quand on gagne des imprévus, quand on gagne des problèmes qui présentaient, par exemple, ou même quand on vit peut-être à Port-au-Prince, il y a des blocus qui sont présentés. Donc, tout ça, c'est peut-être des imprévus qui sont capables de présenter. Mais on dit que autant de fois que ça dépend de vous, pour que vous fassiez le maximum pour arriver 30 minutes avant leur culte là capable d'arriver. Donc ça va permettre aussi, ou même en tant que meneur de culte, ou même en tant que canal que bon Dieu pourra utiliser, la permettre que vous arrivez dans l'espace là pour commencer d'abord par intercéder pour peuple ça, que vous pourrez camper devant, que bon Dieu pourra utiliser pour capable bénir. Donc, l'arrivée avant l'heure, ou bien le temps pour intercéder pour public ça, que bon Dieu pourra le servir avec vous comme un canal pour capable arroser. Et ça va permettre aussi que vous gérez stress aussi. Ça permet que vous gérez stress. Donc, imaginez-vous que vous pourrez mener service dans une assemblée quelconque, et puis l'arrivée, tout le monde est en là, ok, tout le monde est en là, et puis l'heure est en dépassé. Au point que, gain de circonstances qu'on présentait, le monde qui responsable, qui était sous programme dans le jour pour mener service là, le poko vini, il a choisi un monde pour commencer service là, et le monde qui était programmé pour service là vini, le ça il remet les places là. Donc peut-être c'est 30 minutes après l'heure, 45 minutes après l'heure. Donc ça c'est déjà une catastrophe. C'est déjà une catastrophe parce que le peuple a été commencé à adorer, il a été sous une piste déjà, bon, ou même ou à peine vini, ou pas à peine relancer le peuple. Donc ça, c'est vraiment, vraiment grave et nous encourager, meneurs de culture, pour faire un pile effort pour éviter que le scénario soit produit dans le service bon Dieu. Donc, moi, t'es content pour me partager deux conseils ça y est avec aujourd'hui, ou même qui c'est adorateur, qui c'est adoratrice, qui c'est meneur de culte. Nous espérons que vous mettez conseils ça y est en application
pour que le travail bon Dieu a capable de continuer à avancer. Donc si vous pouvez vous abonner avec Chanel ça, nous invitons à faire et partager vidéo ça avec un autre adorateur, une autre adoratrice, c'est sûr et certain, ça a fait du bien. Bon Dieu béni, moi c'est adorateur Bertin d'Orville-Mort, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.